Dans cette vidéo, nous allons terminer sur les chaînes de caractères en voyant d'autres traitements possibles sur les chaînes. On peut accéder aux caractères d'une chaîne de caractères individuellement. Par exemple, l'instruction chaîne.char@index en argument va envoyer le caractère d'index index de la chaîne chaîne. L'instruction chaîne.index of avec un caractère en argument, donne la position de la première occurrence du caractère caractère, c'est-à-dire le caractère passé en argument, dans chaîne, et va renvoyer moins 1 si caractère n'est pas dans chaîne. On dispose également de la fonction length, c'est-à-dire qu'on peut écrire chaîne 1 point length avec des parenthèses, et ça va renvoyer la longueur de la chaîne, c'est-à-dire le nombre de caractères de la chaîne. Et attention, attention, il y a une paire de parenthèses, et c'est donc dans ce cas différent des tableaux. Par exemple, je déclare ici une variable S1 qui va faire référence à une chaîne A, B, C, M, X. Quand j'exécute cette déclaration et initialisation de la variable longueur, ma variable longueur va contenir le nombre de caractères de S1, c'est-à-dire 6. Cette déclaration déclare une variable C1 qui va être initialisée au caractère d'indice 0 de la chaîne S1, c'est-à-dire ce A-ci. Donc C1 va contenir le caractère A. Dans cette déclaration-ci de C2, je vais mettre le caractère de S1 qui se trouve à l'indice longueur moins 1. Longueur contient 6, donc longueur moins 1, c'est 5. Et le caractère d'indice 5, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire le dernier caractère de la chaîne S1. Et pour finir, cette déclaration de la variable i va mettre dans i l'indice du caractère b en partant de la gauche dans la chaîne S1. Alors S1, c'est cette chaîne-ci. B, le premier B se trouve à l'indice 1 et donc i va être initialisé à la valeur 1. Donc faites attention, les caractères sont numérotés comme les éléments d'un tableau, c'est-à-dire on commence à 0. À ce stade, nous pouvons faire un quiz. À votre avis, qu'affiche ce code quand on l'exécute? Alors, prenez le temps d'exécuter le code pas à pas. Je vous laisse réfléchir. Alors, la variable essai est initialisée à la chaîne essai. La variable test est initialisée à la chaîne vide. On entre dans cette boucle for où i va varier de 1 à 3. Au premier tour de boucle, on va exécuter cette instruction-ci, cette affectation-ci. Pour l'instant, test est la chaîne vide et on va lui concaténer le caractère qui se trouve dans essai à l'indice de la valeur de cette expression. I vaut 1, donc 6 moins 2 fois i vaut 4. On va donc considérer le caractère d'indice 4 de essai, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4. Donc tout ceci vaut i. On va concaténer ce caractère i avec la chaîne vide et donc obtenir i et mettre le résultat dans test. Test va donc pointer maintenant sur la chaîne i. Passons ensuite à cette instruction qui va concaténer le caractère d'indice i de la chaîne essai. Alors, i vaut 1, donc le caractère est le caractère s. Et
le concaténer avec la chaîne contenue par test, c'est-à-dire tout simplement i. Donc, le résultat de la concaténation, c'est la chaîne SI, et on va mettre SI ici. On revient au début de la boucle for. I vaut maintenant 2. On exécute cette affectation. Test vaut maintenant SI. Ce caractère est le caractère d'indice 2 dans SC. Le caractère d'indice 2, c'est 0, 1, 2. C'est un S qu'on va concaténer avec la chaîne SI. Donc on va obtenir SIS qu'on va affecter à la variable test et donc obtenir ici. Passons à la seconde affectation. Et c'est car at i, comme i vaut 2, c'est ce s ici, qu'on va concaténer avec la chaîne qui correspond à test, c'est-à-dire SIS, et on va obtenir SSIS, qu'on va mettre dans test. On va donc revenir maintenant une dernière fois ici avec i qui vaut 3. Test vaut SSIS et on va lui concaténer ce caractère-ci, donc le caractère d'indice 0 dans la chaîne EC, c'est-à-dire ce E ici. Et on va mettre le résultat dans la chaîne test, c'est-à-dire qu'on va mettre 6 dans test. On passe à cette affectation. Et c'est le SK at de i comme i vaut 3, c'est le caractère d'indice 3 de SC, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire A, qu'on va concaténer avec ce que contient test, c'est-à-dire 6, et obtenir la chaîne assise. Et test va donc pointer maintenant chaîne assise. Et on sort de la boucle puisque i valait 3. On arrive à cette instruction d'affichage qui va afficher tout simplement assise. Un mot sur les entrées-sorties avec les caractères. Il se trouve qu'il n'y a pas de fonction nextCar dans la classe scanner. Et pour récupérer un caractère en utilisant cette classe, il faut faire d'abord, comme d'habitude, la déclaration d'un scanner, ensuite lire une ligne en utilisant la fonction nextLine appliquée à l'instance du type scanner et mettre le résultat dans une variable de type chaîne que j'ai appelée S ici et prendre le premier caractère de cette chaîne S en utilisant la fonction carAt en lui passant comme argument l'indice 0. Et donc dans C ici, on va obtenir le premier caractère qu'aura tapé l'utilisateur à ce moment-ci. Un littéral introduit par l'utilisateur suite à une instruction de lecture avec un scanner, par exemple, n'est pas dans le pool des littéraux. Pour qu'il y soit, il faut l'y mettre explicitement au moyen de la fonction interne. Alors, considérons cet exemple où je commence par déclarer un scanner S qui va me permettre de lire ce que l'utilisateur tape au clavier. Je déclare ici une variable response de type chaîne de caractères et j'ai une boucle do while ici qui devrait s'arrêter quand l'utilisateur rentre oui comme réponse. Alors, ce oui ici, c'est une chaîne de caractères qui est dans le pool des littéraux. Continuons maintenant le code. Supposons que je lis au clavier ce qu'a tapé l'utilisateur et que je mette le résultat dans ma variable response. Je vais obtenir quelque chose comme ça. Et supposons qu'il ait déjà tapé oui parce qu'il a envie de sortir de la boucle. Mais si vous avez suivi ce que je viens de dire, ce oui n'est pas dans le pool des littéraux, c'est-à-dire que ce oui est différent de ce oui ici. Cet affichage va bien m'afficher oui
pour response. Par contre, ce test ne va pas faire ce que je veux, puisque je teste ici les références. Response contient une référence vers ce oui ici, et ce oui ici n'est pas stocké à la même référence, puisqu'il est dans le pool des littéraux. Et donc ce test, cette condition va être fausse, même si response contient bien oui. Alors je vais rajouter l'appel à la fonction interne que j'avais caché ici. Que se passe-t-il dans ce cas-là quand on exécute cette nouvelle instruction? Eh bien, le oui qui est contenu par response va être mis dans le pool des littéraux. Il se trouve qu'il y a déjà un oui dans le pool des littéraux. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, response va contenir une référence vers ce oui-là. Et ce lien est perdu. Cette instruction d'affichage va afficher, comme avant, un oui. Mais c'est ce oui-ci qui va être affiché. Et maintenant, quand on fait ce test-là, on va tester toujours les références, c'est-à-dire la référence contenue dans response, avec la référence de ce oui qui est dans le pool des littéraux. Mais comme cette référence va vers le oui du pool des littéraux, c'est la même référence, et ce test-là sera donc vrai cette fois-ci. Tout ceci grâce à la fonction interne. Nous avons vu qu'il existe certains traitements spécifiques au string, comme par exemple la fonction equals ou la fonction length, et tous ces traitements suivent la même syntaxe, c'est-à-dire qu'on commence par le nom d'une variable de type string, ensuite le nom du traitement avec entre les deux le caractère point et suivi des arguments dont a besoin le traitement. Et ces traitements s'appellent des méthodes en Java et ils produisent toujours une nouvelle chaîne de caractères. Les chaînes de caractères impliquées dans cette utilisation ne sont pas modifiées. Par exemple, on dispose du traitement replace qui peut s'appliquer sur une variable de type string, comme par exemple chaîne ici, et qui attend deux caractères pour pouvoir fonctionner. Et ce traitement replace va remplacer les caractères car 1 de chaîne par le caractère car 2. Par exemple, si j'ai une chaîne exemple initialisée à abracadabra et que j'appelle ce traitement replace en lui passant le caractère A pour première valeur et le caractère étoile en deuxième, eh bien, ce traitement va me créer une nouvelle chaîne où il aura remplacé les A de abracadabra par une étoile. Et c'est exactement ce que j'obtiens ici. Et notez bien que la chaîne exemple contient toujours la chaîne originale abracadabra. Un autre traitement s'appelle substring. Il s'applique aussi sur une variable de type string comme la variable chaîne ici et attend pour fonctionner deux positions, les positions de deux caractères. Et ce traitement permet d'extraire une sous-chaîne de la variable placée ici. Alors par exemple, je déclare ici une variable exemple initialisée à la chaîne anticonstitutionnelle. Et dans cette affectation ici, j'exécute ce traitement substring sur cette chaîne en lui passant les valeurs 4 et 16. Alors ça veut dire que je vais extraire la chaîne de caractères qui commence au caractère d'indice 4. Alors, A est le caractère d'indice 0, 1, 2, 3, 4. C'est donc ce C ici. Le caractère d'indice 16, c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est ce N ici. Mais le dernier caractère n'est pas compris. C'est-à-dire que je vais m'arrêter ici.
Et ce traitement va me fournir la chaîne qui est ici, c'est-à-dire constitution, et qui va servir à initialiser la variable racine mot. Voilà, c'est tout ce que nous allons voir sur le type string.